Merde. Ça commence bien. Et coucou, Kun. Attends, pourquoi ça me fait ça? Allez. Mets-toi. Ça me fait un coup flou, un coup pas flou, je n'en sais rien. Allez. C'est mieux là. Donc. J'étais en train de m'ambiancer sur un speedrun de. Léger de quoi? Je sais pas ce que c'est là ton jeu. Alors attends, je vais lancer le mien en attendant. Pourquoi on voit rien? Si, c'est bon, j'ai vu, c'est pas grave. Coucou Kadaji! Donc comme vous l'avez vu, j'ai craqué, j'ai pris la définitive édition parce que ça faisait trop longtemps que je la voulais. J'ai fait, allez, ça sera un investissement. Par contre, je vais baisser le son de ma télé, attendez. 10. Ah, jeu de rythme! D'accord. J'y vais. Comment ça se prononce? Speedrun de jeu de rythme. Ah, d'accord. Comment ça va, Kataji? Non, mais j'ai prévenu tout le monde. J'ai même envoyé un message à Zikman qui m'a dit lui-même qu'il voulait me voir dessus. Donc, il est pas là. Tant pis pour lui, il arrivera en cours de route. Peut-être, je sais pas. Par contre, mon chatty, je vais juste lui défoncer sa gueule. Je regarde sur le téléphone, tant pis. Tant pis. Par contre, j'ai que 60%. Si ça baisse, il va falloir mon chargeur. C'est génial. Je branche ma manette. Et cette cam qui bug encore. Enfin, qui bug, qui se met pas au. Allez. Fais la pointe, s'il te plaît. Ça sert à rien, ce jeu. Si, si, ça aide à faire la pointe normalement. Oh, Voilà, c'est c'est trop bon. perfectionniste. Comme ça, j'ai trop perfectionniste. Mais c'est pas ça, c'est que ça fait flou. Je vais voir ça. Et sans le sel d'un homme, puis son mode. De quoi? Genre, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Qui c'est ce. C'est quoi ce clip là que t'envoies? Oh, mais ça va, ça va. On va pouvoir commencer notre aventure avec Clémentine. Enfin, Clémentine, plutôt. J'ai cru que ça se lançait pas, j'ai fait merde, ça bug. J'ai eu peur. Pas mal, j'étais déjà partie, j'avais pas vu. Un clip de chez fait, mais chez Metalum, d'accord. Bah, tu peux pas me l'envoyer en MP sur Discord, comme ça j'irai regarder. Ou je regarderai maintenant. Non, mais non, je peux pas regarder vu que j'ai le chat maintenant. Oh, oh c'est beau, on a tout ça. On sait pas où on est là, on sait pas du tout où on est. Moi je sais où on est, mais c'est pas grave. Choisir une saison. De toute façon, je suis obligée de choisir la saison 1. Je ne prendrai pas d'autre saison. Saison 1. Saison. Non, on commence par la saison 1. Ah oui, d'accord, ça c'est les DLC. Par contre, je crois qu'il n'y a pas tout. Attendez, nouvelle frontière. Michonne.
Attendez une seconde, je vais vérifier quelque chose. Je vous reprends dans 2 secondes. Normalement, on doit avoir tout. Voilà. Normalement, on doit avoir tout. C'est bizarre. Bon, après, saison 2. Nouvelle frontière, c'est quoi? C'est la saison 3. L'ultime saison, c'est la saison 4. Normalement, on doit avoir 400 jours. Donc, c'est un DLC en plus, mais je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. On va commencer par la saison 1 et voilà. Au final, il a battu. Oui, l'homme le plus heureux au monde. Il était contre le dragon. C'est parti en shonen. Vous parlez de quel jeu là? Baisse le son. Ah, d'accord, ok. Il y a des options. Quoi, qu'est-ce qu'il y a comme option? Paramètres. Audio. De toute façon, on s'en fout après au niveau de l'audio. Donc on est à fond. Jeu. Sous-titres. Moi, je vais les mettre les sous-titres parce que ça sert toujours. Mais en plus, les sous-titres, d'ailleurs, ceux que j'ai, ils vont être. Ça va être tout en français là. C'était les cibles, notifications. Pardon. Graphisme. Graphisme sombre. J'augmente un peu la luminosité parce que je sais que ça peut. Je peux rien voir à certains moments. On peut rester comme ça. Et merci pour le sub, Kitsune! Alors. Enfin, pour le resub plutôt. Merci Kataji. Il y a toutes les synergies des armes de base. Meilleur, ok. Rayman. Et coucou Zikman. L'arnaque, je pensais que tu jouais à Walking Dead. Mais non! C'est bien Walking Dead. C'est quoi, ultime menu? Non. Ah oui, c'est. D'accord, c'est pour revenir pour les saisons, quoi. Non, non, je reste en standard, c'est mort. Je mettrai pas en minimal, sachant que ça fait 100 ans que j'ai pas joué. On peut choisir l'épisode. Non, non, on commence, on commence, on commence. Donc, Zikman, je compte sur toi pour m'aider, pour ne pas tuer Clémentine, ne pas faire de conneries. Je me souviens du début de la saison, j'étais arrivée chapitre 3 ou 4, je sais plus. Quick coucou en passant. Merci, ça fait plaisir. J'espère que ça va sur Monster Hunter. Au fait, le jeu, est-ce qu'il est pas trop fort? Dites-moi. Hein. La quête de Clémentine. Putain, c'est que je vais te défoncer la gueule. Mon Chromecast. Ton quoi? J'ai baissé encore mon. Je sais pas où est-ce qu'il vaut mieux que je laisse la cam aussi. Si je la remonte ou pas. Well, I reckon you didn't do it then. De quoi? Oui, non, mais je sais, mais j'ai pas compris. J'avais mis pourtant les sous-titres. J'ai pas vu les sous-titres là, où c'est moi. Paramètres. Jeu. Activer! Bordel, excusez-moi. J'avais pas appuyé sur appliquer. Continuer. Why do you say that? Nothing.
I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. I followed your case a little bit. You being a making boy. D'où par la droite le fou? Ouais non, il y avait pas les sous-titres. Non non, c'est juste j'ai pas mis appliqué donc je suis pas doué. Donc en fait c'est ça, ils ont mis tout en sous-titres en fait. C'est soit tu laisses en VO et là tu te démerdes et là tu fais mouais. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Tu veux pas savoir? Non, mais ah, pourquoi j'appuie là-dessus? Not really. Too bad. My car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Merde! Attention, mais voilà, tu as raté un choix. Veux-tu sauver Clémentine? Non! Et attends, elle est pas encore là, Clémentine. Mais. J'allais dire une connerie encore, mais j'avais. Je me souviens plus ce que j'avais mis. Et coucou, Metalam, comment ça va? Driving this man once, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. Merci pour les cheers, wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ah, en plus. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Oh, merde! J'ai pas le temps d'appuyer. Merde. Ça va, je viens de sortir mon C. Je vais plus regarder, je vais regarder toujours là. Et je lirai le chat à des moments où je pourrais mettre pause là. Parce que je regarde et... Ah. Conduit bordel. D'accord, ok. Ah bravo, premier fail. Ce bordel en 5 secondes. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Quand je joue tranquille chez moi, ça va, mais quand je le fais là, c'est le Bronx total. Je m'en fous, il me faisait chier de toute façon. J'ai mal à la jambe. Tu as roulé sur Clémentine, je pense. Mais non! N'importe quoi. Alors. What the hell did he have his gun out? Hey! Hey, officer! Are you all right?
I'm still cuffed back here. Et comment je sors là? Comment je sors, bordel? Allez! Concentre-toi, arrête de nous décevoir! Tu es méchant! De quoi qu'il t'a dit? Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive à sortir de. Mais il fait comment? Ah voilà, c'est bon. Je peux y aller. Je peux me essayer. Faut que je me rappelle des touches et tout aussi. Ça me revient pas. Fait relever dessus, elle va avoir des problèmes pour vivre. Mais c'était pas elle, c'était un zombie. J'ai vu que c'était un zombie. Ah, oh, ça fait mal. Et c'est parti. Répé 1. Et c'est parti pour du zombie. Ah. Oh. Moi je prends ça. Ah. Je n'attendais rien de toi, mais pourtant je suis quand même déçue. Ah merde. Officer. Et où le truc? Ah non, bordel. Vas-y, prends les clés, détache-toi, je vais vite prendre le fusil parce que je le sens mal là. Donc une, c'est du flou de chat. Allez, mais il a rien, il est mort, t'inquiète pas. Voilà. Il faut pas que je fasse des conneries. Holy shit! Allez! Get away from me! C'est pas vrai! Dépêche! Dépêche! Mince, fais gaffe, Clémentine t'attaque! Mais non, c'est pas Clémentine! Y'a rien qui a dit. Mais non, y'a rien! Je m'en souvenais pas. God damn it! Il y a un truc derrière, c'est moi. L'autre côté. Merde. Attendez. J'ai mon téléphone qui s'est éteint tout seul. Clémentine n'a plus de tête. C'est elle, l'élu. En fait, je crois que j'ai pas assez de. Oh, mais merde! Sérieux? Je peux te casser. En plus, tu peux plus. Bordel des débuts, c'est vrai.
Je savais que j'allais faire de la merde, mais bon. Là, pour l'instant, on va dire que c'est pas trop trop grave. Anybody? Hello? Anybody up there? Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Je remplirais une des tasses si c'était de bonbons si je pouvais, là, carrément toi. Oh, il marche pas haut là. Mais dans le truc de la tasse. Je vais les prendre. Hein? Si tu veux. Hello. Anybody home? Bonjour, il y a quelqu'un, j'ai besoin d'aide. What? Mais comment tu fais ça? Le mieux serait. Les compasses de ton jeu sont forts. Les noirs sont prononcés. Dans les miens, c'est moins sombre, je trouve. Mais justement, il y a le côté sombre que j'ai laissé. Si tu veux, je peux l'enlever, hein. Hello? Is that an intruder? Or one of them? Je peux l'enlever, le côté sombre, regarde. Paramètres. C'est quoi? C'est graphisme sombre. Regarde. Hop, hop. Je désactive. Hein. Non, Ayu, tu es la prêtresse de ton stream. Le mieux serait de se pendre avec les... Avec quoi? Avec le pneu accroché à l'arbre, carrément. Non, c'est juste pour le dire, mais ça ne me gêne pas. Non mais t'as raison parce que je vais rien voir en fait avec le côté sombre. Moi qui vois que dalle déjà de base. Non t'avais raison. T'avais raison, non vaut mieux l'enlever. Vaut mieux l'enlever. Déjà que je trouve que c'est vachement sombre comme dans Walking Dead. C'est un faux bon sang. Qu'est-ce que c'est que ce son? Jesus. Allez, c'est parti pour un bébé zombie. Non mais oh, j'avance pour éviter de me casser la gueule. Ouvre-moi ces tiroirs. Moi je suis pas très très fan de ça, mais c'est pas mauvais. Pas mauvais. Il y avait pas un couteau à un moment? Mais pourquoi le bip? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Pourquoi j'ai pas pu prendre le... Ah, ça vient du... ouais. Je sais d'où ça vient. Il est où le beeper? Là. T'as dit coucou. Coucou les gars. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Bah t'en rachèteras.
message to Lefkad, 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Ok, ça commence bien. Là, on voit le cadre commencer à commencer. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Mais non, c'est elle, Clémentine. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Oh, yeah. Moi, je dis direct, tu vas bien, je vais pas dire qui est-ce. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. C'est ça, je pète. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. 37 ans. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Ça va au niveau du son? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Bordel! Ah, mais quel con! Nickman, tu es là! Elle veut juste un bisou! Mais non! Dégage! J'ai pas eu peur. J'ai failli me faire bouffer, mais ça va. I think something else did. Before me, I think. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. Two nights ago. De quoi? Yeah. De quoi? C'est pas moi qui l'ai tué. C'est quelque chose d'autre qui l'a tué avant moi. All by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. Ah, c'est... Attendez, je vais essayer un truc. Comment elle s'appelle la petite? Tu te fous de ma gueule, là. Comment je fais? J'ai mon téléphone, en fait, il s'éteint toutes les deux secondes, donc c'est un peu chiant. Tu t'es dit, tu ouvres la page du dashboard. Non, ça bug, ça fait tout bugger. Mais moi, ça a bien fonctionné hier. Pourquoi ça marchait pas avec toi? Tu vas dans ton dashboard, tu prends la fenêtre en pop-up et tu fermes Mozilla, tu gardes juste la fenêtre de ton chat. Je sais pas comment tu prends la fenêtre en. Attends, j'essaie de relancer Chatty. Elle s'appelle Choupette.
plantage du jeu, ça m'assure, mais c'est pas bon tout de même. Non, non, c'est pas un plantage du jeu, c'est moi qui vois pas le chat, ça me fait chier, donc résultat, je relance ce que je peux. Choupette! Mais oui, les choupettes. Je screen ça et je l'envoie sur le Discord de quoi? De quoi tu veux screener là? J'ai traversé un mur dans le niveau des égouts. Dans le niveau des égouts. Mais j'avais même pas vu ce que t'avais marqué. Elle est choupette, mais c'est pas une super habitude de mourir. C'est ça. Ah bah tu vois. Là bizarrement ça marche. Donc essayez de parler, allez-y, balancez des trucs sur le chat. Voilà. Quel jeu. GG. Oh là. Non, c'est bon. On va... Vous me le dites s'il y a un... De quoi? Vous me le dites s'il y a quelque chose. Balancez des trucs. Parlez. Parlez. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'on dit? On part d'ici avant que le soleil ne se couche ou on cherche de l'aide avant la nuit? Très bonne question. Moi je dirais partir avant que le soleil... Bon, je vais faire à l'arrache. Hein. We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen if we move at night. My parents might come home. We won't go far. Try to find shelter and come back here with others. That sounds good. We can hide in my treehouse until then. It'll be a tough climb with this leg, but that's a good idea. So let's go. Vas-y. Stay close to me. De quoi, Kataji, toi aussi, t'as développé un jeu? Now let's stay quiet. We'll head out to the front yard and follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me. We'll move as fast as we can. Je boite, bordel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Katajiraria, comme Terraria. On parle de quel jeu? Ben ton jeu, la suite de Terraria. I found the bastard. What? Qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Are we going to die? They're after me, not you. Why? Stay down! Georgia State Patrol! Dude, he won't listen to that. We're friendly. There's a little girl here. Oh shit, you're not one of those things. Mais non! Neither of us are. Oh, damn, you've got a little girl. We're sorry about that. Well, Andre's sorry about that. It's Officer Mitchell. My name's Sean. Sean Green. This is Andre. Andre! Officer Mitchell, la tuée de ses choses. We just got our buddy Chet. I just saw a girl inside that house. Nah, it wasn't him. Oh shit, you hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up too.
I'm not a dad. Je suis quoi? Oh, juste un type. Oh là là, quelle horreur. Sa babysitter. Un voisin. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, je crois que j'avais dit une connerie, j'avais dit sa babysitter, un truc comme ça. Je peux me proclamer sa babysitter, parce que si je dis un voisin, Non mais justement, je vous annonce, si je dis un voisin, c'est mentir. Bon, d'un côté, j'ai déjà menti aussi en disant que j'ai pas vu de ces choses dans la forêt non plus. Enfin, je les ai pas dites techniquement. Je vais dire sa babysitter, allez. Her parents are out of town. Whoever you c'est are, pas grave. Let's get a move on. We just w- s'en fout. Son ami rencontré sur un chat. Let's go, get to my car. Go. Je suis proclamé sa babysitter, voilà. Pour dire, je l'ai trouvé, donc je m'en charge. En fait, le moindre petit truc que je vais faire, ça va avoir des conséquences monstrueuses, c'est horrible. Quand j'ai fait le jeu, j'ai pas fait ça, hein. Je me suis barré dès le début. Hein. Là, j'ai attendu la nuit, bizarrement. Say hi to your dad. Mais non. Sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. One of the best. Take care, you two. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Reckon down the way thinks his mare's gone lean, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta, and, Chet, he got killed. No, you're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You brought a couple guests. Est-ce que t'es connecté sur ta PS4 parce que ça bug? We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. Voilà. Merci. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty ça bad va. There. Clémentine, elle comprend que j'ai fait ça pour elle, quoi. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? I didn't. Well, now's the time. Oh, putain. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. C'est normal que je sois méfiant. I don't even remember. It's crazy back there in the city. It must be. What type of danger has the girl seen? She's safe now. You're serious about taking care of her, then? What choice is there? House is full up with mine. You got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey,
dead, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. What happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. It smells like... I know what it smells like. Duty. I miss my mom and dad. I bet, Cliff. How far is Savannah? Pretty far. J'adore cette petite Clem. Okay. Bonne nuit, Clémentine. Bonjour, Clémentine. Clementine. I love you, baby. Il a parlé de sa femme dans la voiture. J'ai fait oh là là, mais de quoi il parle? Je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Et franchement, je veux pas savoir. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Babe's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? The word is, you were on your way to Macon. My family's Duck. From there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Ah, that's El Mustacho! Mustache man. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Hey there, Kenny. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. We're a tough family. Alors, Charles, je le trouve pas. Il y a quelque chose qui va pas chez lui, de toute façon. Need any help? No, moi, j'essaie de me faire des amis de tout le monde, donc je dis comment you ça va, comment ça. What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. T'as un bateau. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Okay, donc j'ai Kenny un bateau. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Okay.
You having a nice time with Katya Clementine? Yeah. Hey there, girls. Vous avez l'air détendu. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except in dogs and cats and not horses. What is it that moustache parce que c'est used to teach at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, but I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. How did you handle getting through this? C'est pas grave, je m'en fous qu'elle sache que j'ai été licenciée. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some, just... It's okay, it's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Anybody in their right mind, families, barbecues, beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? Those gone, what's the point? You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Ah! Alors c'est une bonne élève, Clementine? It's easy. Clementine. Yeah. Clementine. So, c'est facile. Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here. Back in a bit. Okay, Lee. Clementine, t'en CP. Do you have to go to the bathroom or anything like that? Lee, the young woman can take care of herself. Yeah, okay. Elle a 8 ans, elle a pas 3 ans, mais bon. Seems like those two are getting Donc l'autre, il a un bateau. Pourquoi je j'irai pas avec lui? Je suis si fatiguée, c'est affreux. Qui a dit que c'était pas fatigant les cours? C'est crevant. Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill. I'm good. Je suis à côté, salut. How you doing, Doc? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Hey, Lee. Do you need help? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Okay. Non, mais je dois être malade. Ah, mais c'est sérieux qu'elle dit? Comment t'as fait pour être malade? Il y a des malades dans ta classe? I saw a guy in Atlanta kill a kid. Ou tu t'es mal couvert parce qu'il faisait froid? He just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. Oh, super. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes. Oh, super. Génial. Trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. It don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. Had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. Je vais sûrement avoir attrapé froid. Yeah, man, I hope so too. Maybe it's c'est not possible. Too bad. Il fait pas chaud en ce moment. Même chez moi, j'ai froid. That's probably all I need cut for now. Thanks. I'm sorry about your friend. Thanks.
I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. D'accord, je vais aller dans la grange, je vais aller voir Herschel. You know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. Not sure I'll follow. How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Timing of all this just happened to be right. If there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important, so that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Écoute, soigne-toi, Kataji. My parents are in Macon. Where's my brother? Well, hope they're all right. Je vais pas parler de ma femme, yeah, si j'ai une ex-femme. Take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Non, ah. Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. Tu dois compter sur l'honnêteté d'étrangers pour survivre. Et s'ils ne te font pas confiance, oui, mais je sais, une connerie. So whoever you are, j'ai pas le temps de lire en plus. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. What? No! I'll get my gun! Clémentine, on besoin d'aide. Je sais pas si on peut sauver les deux. Dickman, est-ce qu'on peut sauver les deux ou pas? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on peut sauver les deux ou pas? Bon appétit. Est-ce qu'on peut sauver les deux? C'est ça la grande question. Tu as fait le bon choix, j'avais sauvé l'ado et Kenny m'en a voulu longtemps, c'est ça. Bah justement. Mais justement, c'est, en fait j'ai testé les deux scénarios et j'ai préféré justement sauver le petit parce que l'autre justement j'ai bien fait ami, alors que l'autre il est trop craintif, il me fait chier, Herschel, voilà. Donc j'ai fait vaut mieux que je sauve le petit. Bon, ça me fait chier de pas pouvoir sauver les deux, mais bon, fallait faire un choix. Parce qu'en fait, si tu n'aides pas Kenny, l'autre il se fait bouffer quand même. Donc c'est dégueulasse. L'autre il me fait chier, donc j'ai tué son fils. Mais non, c'est pas vrai.
c'est l'autre, il me faisait pas confiance, etc. Il était trop craintif. Et puis j'ai dû faire un choix. Donc j'ai préféré sauver l'ado. Voilà. Parce qu'un enfant mourir comme ça, c'est horrible. Voilà. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Sainte Clementine est en vie, ça me va. Après, je sais pas pendant combien de temps on va streamer du tout. Je vais le faire petit à petit. Après, je dis pas qu'on va faire que du Walking Dead. J'essaierai de faire autre chose entre temps. Mais on va se faire toutes les saisons, quoi. Il est en train de... Non! Fuck yeah! Non! Elle vise bien, hein, la madame. Hein. Par contre, quand tu fais comme ça, ça veut rien dire. Shut this fucking gate! On me demande vraiment comment ça va se passer pour la suite de l'histoire, car ça change pas mal de choses là. Avec Doc sain et sauf. Ah, t'as pas vu, t'as fait l'inverse toi. J'ai pas compris. Ah, t'avais fait l'inverse. Non, mais justement, moi j'ai. Where the hell is your humanity? Not dangerous, just regular folks. What's dangerous is a bunch of people running outside and drawing their attention to us. Lee's right, we're just regular folks, but we actually like helping people. Voilà. You'll have to excuse her, pal. He or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. You're a dumb, careless kid. Then just go! They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Me no. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. What? My dead body. Parce que je ne sais plus, il se faisait mort si tu es des jeunes. No bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay and we all end up. Je sais pas. Shut up. We gotta je sais plus. Je crois que en fait non, tu peux pas. Il se faisait mordre l'autre, il se faisait mordre. Non. Dad, it's just a boy. It's Lily, I'll handle this. Your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. Bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out! Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us. And they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how no. You turn! He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. It's Larry, right? Man, this is his son. Look around, dumbass. I got a daughter in here. You got a daughter in here. Get your head out of your ass, boy. We've all got people in here. We can figure this out without killing anybody. There's another way. Yeah, with a shovel. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee. Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. No. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. Then, there'll be three. Then we deal with it then.
but right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it, because that boy is bitten. Not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Attends. Si j'ai pas le temps de lire. No, you don't touch that boy. Tu ne touches personne, voilà. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though, because it's me before anyone else in here! Thanks. You okay? Just great. Je préférerais mourir plutôt que te laisser Clémentine. Guys. Holy shit. Did try to get him to calm down. Can it, asshole? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Même pas. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Très bien. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. You? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. Le vieux, je le supporte pas, le vieux. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Messing around with there. A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Il y a pas de pile. No batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. T'avais pas regardé. Needs two. Thanks. Il est devenu le leader en 3 secondes, c'est ça. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Okay. Sure.
go have a look around. On va regarder vite fait. We'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Agreed. De quoi, Guy Corley? Hein? De quoi tu parles, Zygmunt? Jesus. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. It's a combination lock. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape. Delicious. Try to get in there and get weapons. I did, but it was too risky. Then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ah, super. Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Ah, c'est celui de la pharmacie. Oh, shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore. Non, pourquoi j'ai mis ça? So you're saying he might have the pharmacy keys? Du drugstore. You're saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know. They start rotting and they'll cheat up. And... Shut up. Non, je le reconnais pas, non. Worked at the drugstore and died with keys in his pocket. Take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. We prove that that guy worked here, and then we can try to clear the street to search him for the keys. Probably easier said than done. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. Ouais. His tech stuff, and it just made sense. So you're not. Ouais, j'allais dire ça. Comment il a fait pour avoir son insigne? No, not really. Moi, je verrais rien. A couple months, and I spend a lot of time on the computer. No, just doing my own thing. What about you? Just sort of ended up here. Oh, cool. You've got that little girl with you. Yeah, I'm just taking care of her. Comment je vais faire? Je devrais trouver quelque chose avant d'essayer d'ouvrir. Parce que là, si j'ouvre pour l'autre, il va se faire bouffer. Let's head back inside. Carte de vœux. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. Hey, Lee. Really gave that old man hell. Yeah. We got pushed, you know? You don't have to tell me. I was ready to tear the man's head off.
Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Doug? We've all been through a lot. How's Duck doing? It's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. Were you saying, Lee, she spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? They own this place. They're gone. Oh, sweetie. Kat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? It happened pretty fast, I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happened. We didn't make a choice to kill John. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Try to let it go. De quoi c'est vrai? J'essaie de suivre les dialogues si vous commencez à dire c'est vrai ça, c'est vrai. Comment voulez-vous que je fasse? Ah! Barre énergétique. J'ai deux barres énergétiques, qu'est-ce que c'est ça? Alive inside, non. Alors attendez deux secondes. Ici, là. J'ai de quoi bouffer pour plein de personnes. Tiens, je vais donner ici à par terre. J'ai de la bouffe, j'ai de la bouffe. Tiens, Clémentine. Et ok. Hey there. Hi. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. So, are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Que sa famille était trop près de cet endroit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, okay. C'est vrai. Tiens, je te donne ta barre, toi. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Et moi, je vais prendre soin que de Clémentine, tu crois quoi, là? It's not damaged. This place didn't get looted. Elle est où cette deuxième pile? Ah ben voilà, c'est bon, j'ai chopé la deuxième pile. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, it didn't help.
think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Y avait-il quelqu'un ici quand vous êtes arrivé à la pharmacie? Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, they were, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option. On va chercher ses cachets. Je vais le documenter, elle aussi, je vais suivre. Millie! I'm gonna get back to him. Sounds good. Moi, j'aime bien, j'ai de la bouffe, mais à qui je vais le donner? La bouffe. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Le petit en priorité. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? It's not much, but here, for the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Oh, moi, j'en donne là. Après, il y a l'autre. This battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Allez. Fille un French kiss à la fille du méchant. Quoi? What? Are you crazy? Nothing. C'est bizarre. L'antenne. C'est bon, pourtant il y a les piles là maintenant. Ah non, attends. Elles sont du mauvais côté. Voilà, j'avais pas eu. Et prend le méchant dans les bras en disant beau papa. What? Are you crazy? As the unknown affliction continues to spread on the ship, the estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full my producer's telling me we have to get off the air. Steve. Oh, America. How are we doing? Good. Want to go have a look around outside? Okay. Attends. Je vais faire le tour, je vais regarder s'il y a quelque chose et sinon je retourne dehors. Je pense que c'est le mieux. Eh, je devrais lui donner une barre parce qu'elle m'a sauvé la vie quand même. Je vais donner réparer, c'est-à-dire l'ouvrir l'antenne, changer les piles de centre. Some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it?
She's good. Elle va bien. I'm trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Voilà. Je suis son gardien. Donc j'ai une truc et y a rien d'autre que je peux faire ici. Je pense pas. J'hésite d'aller dans le bureau, on va aller dans le bureau et regarder, mais je sais plus comment on faisait, je sais plus. Oh my god. Oh les yeux. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Oh, merde! Non, mais je savais pas. J'avais pas capté qu'il s'appelait Everett, en fait. For your sake, I hope the answer is no. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Don't worry about it. Je lui fais confiance. Donc en fait, mon frère... Oh là là. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Eh oui, il faut que j'aille... We'll keep an eye on it. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Elle a dit une de bathroom, la salle de bain. Non, c'était pas salle de bain, c'était... Enfin, bathroom, c'est aussi toilette, quoi. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. I'm gonna keep looking around. Okay. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. Mais sa My casquette. Dad gave it to me. Elle est trop cool, sa casquette. Like better get this door clear, huh? Can I help? Bien sûr, tu peux m'aider. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay.
Okay, here we go. Do you have kids? No. No. You don't have a family? Let's just move this thing. Oh, okay. I'm sorry. It's fine. All right, a little further. Petite Clem deviendra forte, à moins que tu te foires et qu'elle devienne morte. Non! Arrête, j'ai pas envie de foirer. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I'm not a bad guy, okay? Things happen, and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Oh, Clementine! Okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Vas-y, zombifier, fracasse-la! Non! It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Allez, ma petite Clémentine, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Lee? Oui. Yeah. What if my parents come home and I'm not there? They'll track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Get the remote for that thing in here someplace. My parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Protect her, at least. Que des choix sages. It's the remote to my dad's TV. Allez, donne. Arrête, 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 arrête. J'ai peur de faire une connerie à chaque fois. That's what I figured. Elle est morte. Elle est morte, ta télécommande. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans qui peut l'aider? Luckily, there's nothing I need in here. Non, rien du tout. Dad told me he bought that TV to watch baseball in here, but I caught him watching his stories more than a few times. Ah, bon Clementine. How's your finger? It's okay. Thanks for fixing it. Have you heard from Glenn? Not in a little while. I'm gonna keep looking around. Okay. Il n'y avait pas un truc de ce côté? Attends. Monsieur, attends. Il y a porte vers la pharmacie. Mais voilà. Et voilà. The keys are on that zombie out in the street. Ok. Donc il faut aller les chercher, les clés. Il faut aller les chercher. Wanna head back into the drugstore with me? Okay.
On va... Lee? Yeah? You're not bad, right? No. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen. You do things and you can't explain them. Let's head back to the others. T'inquiète pas, je vais te protéger. Pourquoi ne pas dire son frère plutôt que zombie dans la rue? C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Bon. Hey there. This is Glenn and I'm kind of in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone or on the talkie or whatever? Ton père. This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the roaming ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. De quoi? I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn and... Non, j'ai pas compris. ...as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Ça va, Clémentine? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad. Guy, okay? Okay, same. Same. You're my guy? Oh, no! You know. We're gonna try to take care of each other. Ah, j'aime bien en plus ça. L'anglais résulte assez bien. Okay. Mais bien sûr que je prends des nouvelles de Clémentine. Pourquoi je prendrais pas de nouvelles de Clémentine, voyons? Tu viens avec moi? You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. That radio sign-off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. All right then, we don't need to talk about it. Thanks. There's nothing I can do now anyway. Hey, Carly. Je vais lui dire de venir avec moi. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. Il s'en sort royalement du père mourant. Mais non, justement. My news editor was eaten about 5 feet away from me. Il faut que j'aille. Joined her if it wasn't for that dorky guy. Je vais aller l'aider. Je vais aller à la pharmacie chercher les clés. Asshole, enfin, comme je peux avec l'autre. Yeah. On va essayer d'y aller. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. That parent's basement. Là, c'est mignon. Oh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. I better get back to it. Je viens de trouver Lily et belle perso principal est un beau esprit. N'a pas la fin de la phrase de Dre. Bon, on va sortir, on va chercher le. Wanna go have a look around outside? Oui. Let's go. Okay. On va essayer d'aller chercher les clés pour l'autre. Oui, non, je pense à l'autre. Oui! Mais oui! Ça y est, je me souviens comment on fait! Je me souviens! Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through those gates so far. The drugstore's safe enough, I think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and locks up well.
not searching that guy across the street. Maybe he has them, but who knows if he actually worked here. That guy over there has the keys. How can you be sure? Found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there. Voilà. J'ai galéré pour la traduction des blagues. Just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs. Bien sûr, tu connais tous les types de code universel, bien sûr. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Bien sûr, quand tu veux. Yes. Let's go. Je vais me faire à manger en attendant. Ayou, protège la petite. Je vais la protéger, t'inquiète pas. Bon appât. J'ai pas peur, pas du tout. De toute façon, si je la tue, je recommence. Hein. Ils sont là. Attendez deux secondes, je m'épose. Alors j'ai deux chats magnifiques qui le regardent genre on a faim. Clémentine n'est pas le policier du début, je suis perdue. Glenn, arrête de me faire de m'embrouiller, bordel. Merde. Ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Comment on doit faire? What's everyone? Ah, il manque quelque chose là, il manque quelque chose. Je sais plus ce que c'était. Et son père. Ah non, tu es tout excusé. Il y a quelque chose pour l'ouvrir, mais je sais plus quoi. Faut vraiment que j'arrive à ouvrir ce truc. Open sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. C'est universel, mais pas tant que ça, sans blague. Few seconds of searching it, you'll know if he has the keys. Ah putain. Comment? Non, je vais pas faire ça, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui me manque. Il faut que j'arrive à enlever ce putain de cadenas de merde et je sais plus comment. Je sais plus, il y a forcément un moyen. Comment je fais pour la choper, la brique? Là, on peut pas. Là. That lock over there. Oui. I imagine going out the back door and around is out of the question.
Ben oui. Je sais, mais comment, bordel? Je vais devoir rentrer, il y a forcément quelque chose. Let's head back inside, okay? Oui, je sais. Je sais, mais il faut que j'ouvre la porte pour choper la brique. Donc tant que j'ai pas trouvé ce qu'il y a à l'intérieur pour choper la brique, je peux rien faire là. Je me souviens même plus comment on fait en fait pour ouvrir la porte. Je m'en souviens pas. Forcément un moyen. Pourquoi parler à Carly? Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Pourquoi tu dis parle à Carly? Hey there. Non. Better get back to it. Yep. Il y a forcément un truc. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Trouve le code chez le vieux. C'est quoi ça? No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Je sais plus où est-ce qu'il est le code, je sais plus. I don't remember them very well. It's all melted now. Je sais pas où c'est. Si, tu peux y arriver, je sais, je l'ai fait, mais je me souviens plus comment t'y vas. Je m'en souviens pas. Il y a forcément un moyen de trouver le code là, il y a forcément. That's what I figured. Y'a rien là-dedans. There's nothing I need in here. How's your finger? It's okay. Thanks for fixing it. I'm gonna keep looking around. Okay. Ah, c'est pas vrai, je sais plus. Là, il y a rien, il y a vraiment rien. Je sais plus du tout où est-ce qu'il est le code. Putain. De toute façon, il est pas là, il est pas là. Il faut que je regarde, il y a forcément un endroit que j'ai dû louper. J'ai passé 100 ans à trouver ce putain de code. T'es encore moins là que quand je suis partie faire à manger. Zygmunt, dis-moi où est-ce qu'il est ce putain de code. Dis-moi, je sais pas où il est le code du cadenas. Je le retrouve pas. It's not damaged. This place didn't get looted. Je sais plus. Je cherche le code, je cherche le code. Impossible. Où est-ce qu'il est? C'est un copie. Je fais 400 fois le tour et je retrouve pas quoi. Il y a
forcément. Il y a forcément un endroit que j'ai dû louper, c'est pas possible. The pills are in there. Je vais y aller de mon côté, des bisous et bon stream. Merci, des bisous. Bonne nuit. Et moi, je sais pas comment je vais faire, mais je me souviens pas du tout où est-ce que c'est. Mais j'ai joué à ce jeu, t'étais pas née et je me rappelle plus. J'ai pété un câble, je sais que... Normalement, on arrive à trouver, normalement, là, j'y arrive pas, là. Ça fait 20 fois que je fais le tour, ça m'énerve. Mais non, mais je m'en souviens pas, ça m'énerve là, je vais faire 300 fois le tour. Je suis sûre que j'avais réussi, j'ai réussi toute seule. Alors pourquoi là j'arrive pas à retrouver quoi? Ça m'énerve. J'ai dû louper forcément quelque chose, mais quoi? Là non, là non. Là, greeting cards. Skin care. Ah, je retrouve pas. Je ne trouve pas. C'est pourtant sûrement dans le bureau à l'arrière. Mais je suis retournée au bureau, hein. Je l'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé dans le bureau. Ah lui qui fait toujours. Il crève, qu'on n'en parle plus, voilà. C'est pas Tomb Raider là. Mais je sais que c'est pas Tomb Raider, donc vas-y, dis-moi si tu vois quelque chose. Là, il n'y a rien. Là, il y a la télé. De toute façon, la porte vers la pharmacie, on ne peut pas y aller. Franchement, je vois rien. Hein. Et de quoi chercher l'autre? L'autre, si je lui dis on y va, elle va me demander de sortir. La femme, elle va aller sauver l'autre. Mais on va laisser le vieux crever, quoi, en gros. Franchement, je vois rien du tout là. De toute façon, s'il y a pas le code, si on peut pas trouver le code, il y a forcément un moyen, un autre moyen. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. The keys are on that zombie out on the street. Non, en fait, t'as un cadenas. Tu te démerdes comme tu peux pour le casser. Et comment je fais pour le casser? C'est la blague, ça. Il y a forcément un moyen. Attends. J'ai dû louper quelque chose à un moment. C'est pas possible. Ça
Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Franchement, j'ai regardé partout, j'ai rien vu. C'est quoi ça? On s'en fout des cartes de vœux, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est sortir et réussir à aller choper les clés. Let's have a look around. Okay. Mais on te dit que la clé est sur le zombie. Oui. Mais il y a un portail avec un cadenas. Bordel. Donc cadenas. Voilà. Là. Did you guys try to get in there and get weapons? Là, il lui dit ouais, on a essayé, sauf que ils sont tous morts. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Là, j'ai fait les TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Il y a forcément un moyen, c'est pas possible. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. C'est quoi ça? Si j'avais quelque chose pour casser le cadenas, ça serait plus facile. Oui, la télécommande, je l'ai utilisée pour allumer les télés. Sauf que tant que j'ouvre pas cet endroit de malheur, je peux pas prendre la brique qui est là et la balancer sur la télé pour aller chercher le truc. J'ai dû louper quelque chose, je sais pas. J'ai dû louper quelque chose. J'ai fait tout le tour. Le vieux, on verra plus tard, hein, je pense. Hein. De quoi, le gars à côté? Qu'il n'y a pas le code? Oh, mais je vais parler à Carly. Je vais parler à Carly et le vieux, ben, on verra plus tard, hein, vu qu'apparemment, il n'y a rien pour ouvrir. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Ah, pardon. Oh, Getty, ils sont moches. On dirait qu'ils lui ont foutu un genre de masque sur la tête. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Zygman? Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas. Then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Qu'est-ce que je fais? It's a girl. We talked. Est-ce que Joël l'a sauvé? I was trying to get in and help her. She started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. You can't just leave her. Damn right you can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about it if it was you. Imagine si c'était toi. Let's go save Glenn's damsel in distress. Donc j'ai même pas mon mot à dire, il faut aller la sauver. Bonne heure Kataji, à plus tard. Ah, ça va être marrant là, ça va être très drôle. Dégueu, oh. Non, on peut pas tous les tuer. Franchement,
Pour l'instant, j'ai rien. Alors là, je sais plus du tout. Je vais regarder dans le pick-up, peut-être s'il y a quelque chose. Quoi? Mais c'est méchant, Kataji! Regarde ce qu'il y a dans le pick-up. Et regarde! Faut faire ça discrètement. Est-ce que je peux casser la fenêtre sans faire trop de bruit? De toute façon, on n'arrivera pas à l'ouvrir. Hey man, that drew some attention. Be careful. Comment t'es passé du magasin à là? J'ai dit à l'autre qu'on devait aller sauver le mec. Sauf que le mec veut sauver une autre fille, etc. Au-dessus. Ça fait chier. Bon, je vais aller. Je retourne là-bas. Je retourne derrière le mur de briques. Parce que là, ça va attirer l'attention de faire ça. Je peux pas. Ah oh, putain, il y en a un. Je fais comment? Je vais me faire avoir. Il y a forcément un moyen. Je vais être obligée. Je vais être obligée de casser la fenêtre là-bas. Je peux rien faire là. On est obligé d'aller voir le pick-up. Hein. On est obligé. Et on te voit, toi. Hein, mon chat? Tu veux dire bonjour? Voilà, mon chat. Hop là. Voilà. Dis bonjour. Ah, mon bébé. Oui, je sais, t'aimes pas ici. Dis bonjour. Bonjour. Do it. Ah, carrément, toi. Je l'ai pris, mais il s'est mis sur mes genoux. Ok. Let's do this. C'est pas ouvert. Est-ce que le mieux, selon vous, je passe par là, je fais le tour. C'est mon bébé chat de 2 ans. Est-ce que le mieux c'est de faire le tour, sachant qu'il y a l'autre devant, ou est-ce que vaut mieux que je pète la vitre? C'est ça la grande question. Mon chat. C'est bien. Oui, mon bébé, oui. Vas-y, fais-toi sur maman. C'était bien là. Hein? Toi, t'es jaloux, tu dois sentir notre chat, c'est pour ça. Vite, t'es à côté. De quoi? Vitre? Ah, vitre! Pfff.
Ok, c'est beau. Je peux pas faire casser la fenêtre. Je peux pas faire casser la fenêtre. Je vais être obligé de passer par là-bas. Mais je peux pas. Je peux pas. Je suis dans la merde là. Comment je fais? En fait, on peut ni choper le kill, ni choper le pick-up, ni ouvrir par là, ni... En fait, va falloir que je fasse tout le tour. Mais comment je fais pour ne pas me faire voir, quoi? Mon bébé. C'est vraiment casse-bonbon. Casse-bonbon. Il n'y avait rien là. I'm not sure I could take them both out myself, even if I had a weapon. Going to need weapons. On va avoir besoin d'armes. Dis-toi que les zombies ont des réflexes d'un vieux de 80 ans, tu marches tranquillement jusqu'à la porte et ça passe sans problème. Oui, mais je peux rien faire là. Donc je peux pas aller ni de ce côté. Peut-être que si je me fais repérer d'un côté, je devrais essayer. Parce que là, franchement, j'ai pas d'idée là. C'est quoi de mieux, se faire vaut mieux se faire repérer par l'autre d'un côté ou je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. I think you're gonna need more than your fists, man. Je sais. Mon bébé. Ça va, c'est bien. Ah bah voilà. Chacun le sien. Fonce, il est 3h du mat. Mais je peux pas. Quand je dis que je peux pas, c'est regarde, j'ai essayé de retourner vers le pick-up. Ça marche pas. Moi, je voudrais contourner le pick-up, il veut pas. Non. Leur grognement attire les autres. Je sais pas. He's not going anywhere. We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fella lurking near the front. Mais mon Didi, oui. À mon avis, il faut se faire voir. Il y a forcément, t'es obligé de te faire voir. Mais comment, c'est ça la grande question. Non ! Ah ben d'accord, carrément. Ouais, génial. Comment je fais ? Je me souviens pas. Donc en gros, la meilleure idée, c'est de passer par là. Va te faire voir. Quoi? Mis à part le pick-up, essayer de casser la vitre, je vois pas quoi faire là. Je peux rien faire. J'ai dû louper quelque chose à mon avis. J'ai dû louper quelque chose.
Donc si je vais là, je me fais avoir. Je pense que c'est celui du côté qu'il faut avoir. Je vois pas comment faire sinon. Sur le pick-up, j'avais dit que je pouvais pas. Attends. Là où il y a rien, là il y a rien. C'est forcément de ce côté. C'est toi qui demandais si tu devais te faire voir. Je vais recommencer, mais là de ce côté. Comment je fais ? Doucement. Oui, oui, je sais, bouge pas trop, t'inquiète. Donc je peux ni aller... Mais là non, pas comme ça. Mais mis à part aller dans le pick-up et casser la vitre, il a dit j'en ai marre de fracasser les vitres. Je suis censée faire quoi? Je suis censée faire quoi, moi? Je sais pas. Mais je l'avais déjà fait, je m'en souviens pas. Là, mis à part casser la vitre et prendre le truc, je vois pas comment faire. Sans blague. Mais... Je triche pas, je suis en galère, je sais plus comment on fait. Si j'avais triché, ça ferait longtemps que j'aurais trouvé la solution en plus. Hein. Pourquoi là? Pourquoi c'est d'un côté de camion ça marche pas, d'un côté il y a ça. Tu as eu une oreille à un moment donné? Non, pas du tout. J'ai pas eu d'oreille, non. J'ai jamais eu d'oreille et ça me dit rien du tout, là, ton oreille. Regarde l'autre qui dort à côté de la fille. Il y a forcément un moyen. J'ai tout testé pour l'instant. J'ai dû louper quelque chose, sinon... Va au petit muret. C'est quoi le petit muret? C'est quoi ce que t'appelles le petit muret? Il y a le pick-up. C'est quoi ton petit muret? Il y a le pick-up, il y a ça là-haut, donc on peut pas. Où tu es, je pense? Ben, ok, oui, donc j'y suis. Ensuite. Oh, si seulement je m'en souvenais. Je me souvenais que du début. Ah, pardon. A priori, il y a un truc quand tu te penches à gauche.
y a un oreiller. Bordel, j'avais pas vu qu'il y avait un oreiller. Ok. Est-ce que je vais voir l'autre? Ah mais non, je suis bête. Pas de ce côté. Est-ce que... Un seul oreiller de quoi? Ah ouais, ben va falloir... Vaut mieux que j'aille défoncer l'autre là-bas. Que je prenne l'arme. Je pense que c'est le mieux. Putain, tout ça pour un oreiller. Oreille. Voilà. What are you gonna do with that? Cherche l'oreille partout sur ton écran, mais moi aussi. C'est pour ça que j'ai pas compris ton oreille. Pas sans les outils, sans faire de bruit, aucun avec un oreiller. Ouais, donc en gros, on va devoir retourner là-bas au coin. Maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. You have to be careful when you ride up on ramps like this. C'est quoi ça? Une bougie. Voilà. Ben oui, j'avais pas vu l'oreiller. Awesome. Ah bon, j'ai vu ça. Porcelaine dans ces trucs transforme les vides de voiture en papier de soie. Genre ils ont rien entendu. Durée de vie du jeu est passée de 8h à 47h à Caillou, c'est ça. On s'en fout. C'est exactement ce que je pensais. De toute façon, je peux pas aller de ce côté. Je peux ni aller là, ça sert à rien. On doit retourner au muret. Et on va défoncer l'autre de derrière le camion et l'autre. On le laisse bouffer. Ça sera très bien. Voilà, laisse-le bouffer. Non, dans la tronche, voyons. Mais oh, j'ai pas le temps. C'est une blague, vas-y.
Et troisième mort, bim. Jamais 203. J'ai pas le temps. Attends, est-ce qu'il a le... Oui, je l'ai. Je trouvais que c'était plus rapide quand je jouais à l'ordi, bizarrement. Là, j'ai pas eu le temps, là. La tête! Mais je sais pourquoi il l'a chopé direct. Là, on a une meilleure arme. Dude, where'd your weapon go? Into that ice big sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Bah oui. Are you two done? Two more. That should help. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. Glenn. It's not Christian. Please. Just leave me, please go. Et si tu te transformais, là j'ai dehors. What if you turn and follow us back to our group? I know, that was why I was locked away. I can't let this happen to me. Ils m'ont obligé. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Shoot her. Help her out here. You're
You're insane! Just take this thing. Thank you so much. I know how terrible this must be. I can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. I'm here with you. You're a good man. Sorry. Je déteste ce moment. Dieu te bénisse. Ah, je supporte pas ce moment. Je supporte pas. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. Well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out of there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Comment ça va, Clémentine? Everything okay? Mm-hmm. Glenn. How you doing, Glenn? You know. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. Allez, on va voir l'autre. J'ai quand même m'inquiéter pour Carly. Ok. Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Allez, go. Go, go, go. On va essayer de sauver le vieux, même si je l'aime pas trop. Let's go. Okay. Donc, on a allumé les télés. Donc, ça, c'est fait. On va casser le cadenas. Go, go, go. Voilà, donc, les télés sont allumées. Awesome. Now to distract those things. Carefully. I can't reach that. Il faut d'abord ouvrir un peu le portail avant de faire ça. Chope la brique. J'entends pas vraiment de bruit, mais bon, on va faire comme ça. Now's the time. It's the time.
you were there, you would have died for them. Je vais supposer que c'est ce qui s'est passé. We're gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Give me a second. Allez, dépêche. But knowing you to take care of them, that helped. Ça les attire pas déjà. Allez, tue-le. Dépêche-toi. J'aurais dû le faire dans la tête dès le début, mais sérieux. Allez, chope son truc. On rentre. T'as vu? Regarde, elle met toujours ses pattes comme ça sur lui ou en dessous. C'est l'amour fou, c'est trop mimi. C'est bon, j'ai les clés. Où est-toi? Ah, c'est dégueu. Mais c'est pas visé. Bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon, bah, j'espère que le prochain stream je ferai pas de la merde comme ça. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ouais, je l'ai fait pour l'autre. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in. De toute façon, on finit cet épisode et après on arrête. Hein. Et en plus, il y avait une alarme. Super. En fait, c'est quand il a gueulé vite, ils arrivent, que ça les incite à venir. Oui, on va dire ça, j'ai l'impression. Toi, t'as un tournevis dans l'épaule, mais ça va. Enfin, ça va, façon de parler. Furniture out. On est obligé. Doc, come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Doc into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Nice, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Lee! If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know... I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Honey,
La canne. La canne, vite. Ça va pas tenir longtemps. Non. Surtout un bon ami. C'est un connard. Je l'ai sauvé, j'ai risqué ma vie 3 fois pour réussir à choper ces médicaments de merde. Il fait ça. Ah bah écoute, Clay sait faire voir le vieux. Le geek à chaussettes est mort. C'est ça. Ah, c'était soit lui, soit une bonne tireuse. J'ai préféré garder la bonne tireuse. Bon, après, j'ai jamais testé de pas garder Carly. Hein. Toute sa famille est morte. J'avais une barre sur moi pourtant. Hey Glenn. I think I need to go. Who would live? Yeah. Atlanta. Friends there. Eh oui. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Pour être sincère, un bon tireur, ça va facilement se trouver, alors qu'un geek à chaussettes. On fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup, and I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up with the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway. J'avais raison, je pense. See you around. Courage, Glenn. Courage. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we
do? Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I thought you needed the help. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Oh man, check this out. The Jumatron had this minigun on his shoulder. It's all like... Oh, lui, je le supporte pas. Je le supporte pas. What? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. Okay, Clementine. Kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a sec. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? Like my daughter? Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Or what? Or, everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We can stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. What?
Thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. Non mais j'ai déjà vu, si tu m'en t'inquiète pas. J'ai déjà vu la suite. Je suis arrivé jusqu'à l'épisode 4, un truc comme ça. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Mais pourquoi ils nous mettent forcément ici? Pourquoi ils nous spoilent obligatoirement? Bon, ben on va arrêter là, de toute façon. On fera le chapitre 2 la prochaine fois. Eh oh! Non. J'y vais. Mais non, j'ai pas fait... Je sais plus où je me suis arrêtée. J'ai dit, mais... Tu as faim? T'as encore faim? Qui sauverais-tu? Deux couches. Genre, il y en a plus qu'ils ont sauvé Doug que Carly, d'accord. C'est ça. Oh, bon, on va arrêter là, je commence à être crevée, moi. Je pense que c'est très bien, chapitre par chapitre. Je sais plus où je m'étais arrêtée, c'est quand je regarderai directement, je pense, où je me suis arrêtée. Mais pourquoi ils nous spoilent à chaque fois? C'est dommage. J'ai toujours coupé les spoils, mais je sais même pas comment on les coupe, si on peut. Peut-être que j'éteignais le son et je regardais pas. Mais là, si je coupe tout d'un coup, ça se fait pas. Hein. Après, regardez si vous voulez. Moi, je vais. Dès qu'il y a prochainement, je vous dis, ben, regardez ou comme vous voulez. Regardez ou regardez pas. Ça s'appelle comment la boule des poils? C'est ma petite Athéna. Mon petit bébé. Elle a 4 mois. Ça va, bébé? Elle est fatiguée, elle aussi. Je vais la remettre. Se recale tranquille. Bon, il s'est trop mimi, t'as vu? C'est mon petit bébé. Ah, saleté. Youp. Bon, moi je vous laisse là. Ce fut un plaisir, même si j'ai fait quelques conneries. Mais j'ai fait. Enfin, le scénario, j'ai quasiment fait le même que j'ai fait chez moi. Par contre, j'avais trouvé l'oreiller. Je m'en souvenais pas et maintenant je me fais... Ah mais oui, c'est vrai, j'avais utilisé l'oreiller, j'avais oublié.
Voilà. Bon, ben moi je vous dis, on est quel jour? Samedi. Je suis pas sûre de streamer demain. Je verrai selon mon état, selon ma condition, etc. On verra. C'est là j'étais un peu crevée. Si vraiment je peux pas streamer, apparemment je peux streamer lundi, mais en début d'après-midi. Donc je sais pas si ça vous arrange. Parce qu'après j'ai une amie à moi qui vient. Au pire, vous regardez le replay. Mais ça veut. Enfin, je vais voir. Je vais voir. Je vais vous poser la question sur Discord, voir ce qui est le mieux, mais bon. Le soir, je suis pas sûre d'avoir le temps le soir. C'est vieux, j'avais oublié. Mais moi aussi, j'avais oublié. C'est pas que c'est vieux, c'est que j'ai joué à ça il y a quelques mois, je me souviens pas, même plus. J'avais acheté le jeu qui était en promo et puis voilà. Je m'en souvenais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Moi, je vous laisse. Merci d'être venu. Heureusement que je t'ai prévu, Sigman, pour te dire je commence Walking Dead. Toi qui voulais tellement regarder ça. Ça, j'ai pas trop fait de conneries, j'espère. On verra bien, on verra bien. De toute façon, c'était soit lui, soit Kenny. Dans le début, avec le père. Donc forcément que la fille, elle va m'en vouloir, machin, machin, on s'en fout. Des bisous, Métalame, bonne nuit, bonne soirée à tous ceux qui sont là. Et je vous tiens au courant pour le prochain stream. Normalement, demain, ça sera soit le soir, si vraiment je stream, c'est le soir. Et je sais pas si je vais prévenir ou pas. En fait, j'ai eu l'alerte avec le plugin Chrome Twitch, car je ne lance pas souvent Discord. Et comme j'adore ce jeu... D'accord, bah tant mieux, écoute. Tant mieux. De toute façon, tu seras toujours averti. Et moi aussi, je n'ouvre pas tout le temps Discord. Après, il y a toujours Twitter, Facebook, etc., etc. Moi, je les mets partout. Bon, déjà, Twitter, Facebook, Discord. Il y a même Instagram. Même Instagram. Je suis sur Instagram, il faut y penser. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, tant que vous avez l'alerte, c'est bon. Bon allez, moi je vous laisse, passez une bonne fin de soirée. Moi je vais aller me reposer, je suis morte, morte de chez morte. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir aux streamers. Bisous, bye bye, et à la prochaine. Ciao ciao.